Bonjour à chacun d'entre vous. Soyez les bienvenus à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir Jésus et à influencer leur communauté. Si vous nous visitez pour la première fois, nous désirons que vous sachiez que nous sommes un groupe de croyants engagés dans notre foi en Jésus. Nous sommes également multigénérationnels, dynamiques, et nous avons une variété de styles musicaux. Nous espérons que vous vous sentirez chez vous ce matin, car les gens de cette communauté en sont à différentes étapes dans leur parcours spirituel. Nous sommes simplement une grande famille animée du désir que chacun puisse être rencontré dans ses attentes spirituelles. Merci d'être avec nous et profitez du service. Difficile en ce moment. On a beaucoup de gens juste dans notre assemblée là, qui luttent en ce moment avec la maladie sous toutes ses formes. Alors, que ce matin, on veut vraiment peut-être commencer avec un petit temps de prière là, pour vraiment prier pour vous à la maison. Si vous faites partie là, de ceux là, qui sont accablés par la maladie, qui vivent l'anxiété là, par rapport à ça, que ce soit maladie mentale, maladie physique, on veut juste vous dire que le corps de Christ est avec vous ce matin. Amen. On veut vous soutenir dans cette épreuve-là. Et Seigneur, on prie pour chacun de nos frères et sœurs qui vivent un combat dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, tu dis qu'on doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais on doit pleurer aussi avec ceux qui pleurent, Seigneur. Et nos cœurs sont attristés. On est dans un combat. L'armée de Dieu. On est en combat spirituel continuellement et ça nous fait de la peine de voir nos frères, nos combattants d'armes qui sont affligés. Et Seigneur, on prie vraiment que ton Saint-Esprit fasse une œuvre ce matin. Que là où nos frères et sœurs sont, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse venir visiter. On sait que ton esprit est à l'intérieur de nous, mais que ta présence soit palpable dans les maisons, Seigneur. On prie vraiment pour une touche de ton Saint-Esprit. Tu renouvelles les forces, tu régénères, Seigneur, celui qui a le cœur affligé, celui qui est découragé, Seigneur, qu'il prenne son envol comme l'aigle, Seigneur. Et on prie que vraiment, il n'y ait aucune peur. On lit tout esprit de peur, tout esprit de découragement dans le nom puissant de Jésus. On appelle la joie, on appelle, Seigneur, une louange qui va percer les ténèbres et qui va vraiment apporter un rafraîchissement pour l'âme. Seigneur, tu dis que ta parole, c'est vraiment la santé pour nos os, Seigneur. La louange est une guérison pour l'âme. Et c'est ce qu'on réclame ce matin, que cette louange monte vers toi, Seigneur, et qu'elle redescende avec vraiment un parfum de guérison. C'est ce que nous réclamons en ton nom, Seigneur. Il y a une puissance dans la louange. Et que ce matin, il y a vraiment quelque chose qui se passe, que quelque chose puisse se ressentir partout dans chaque maison, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à le Dieu libéré.
Thank you.
mensonges de nos vies. Il n'y a aucune épreuve, Seigneur, qui nous ait permis de vivre, qui nous soit au-dessus de nos forces. Et tu dis, Seigneur, que tu nous donnes le moyen de nous en sortir. Amen. Et c'est ce que nous réclamons, Seigneur Dieu, que tu ferais un chemin qui est déjà préparé d'avance pour toutes les circonstances, toutes les situations qui paraissent impossibles. Jésus, peu importe ce que les médecins déclarent, Seigneur. Toi, tu as déclaré la vie, Seigneur, et la vie en abondance. Thank you.
toi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute présentement. Tout d'abord, mes chers amis, frères et sœurs de l'Église communautaire Mountain View, en ce dimanche 23 août. Pour ceux donc qui sont là pour une première écoute, c'est le dernier dimanche pour nous où on peut écouter via le web. Et puis dès la semaine prochaine, dimanche le 30 août, c'est fantastique parce qu'on va pouvoir finalement aller dans le bâtiment pour une première rencontre. Il y a eu tout un travail de fait et je veux vraiment féliciter Pasteur Pierre et toute l'équipe qui a monté des semaines de travail. Vraiment, c'est extraordinaire. Alors, vraiment, félicitations et un grand merci pour tous ces préparatifs et ainsi qu'aux bénévoles, aux personnes impliquées. C'est très touchant de voir tout ce travail qui a été fait et évidemment celui qui se fera. Donc, on peut vraiment accéder la semaine prochaine, je pense, en toute quiétude par rapport à ce premier... cette première célébration en présence dans l'église communautaire Mountain View à Artovan Park. Je voudrais aussi saluer ceux et celles qui écoutent en rediffusion présentement parce que c'est évidemment accessible sur le site Facebook. Vous pouvez l'écouter en vidéo ou en balado diffusion également en le téléchargeant. Et puis c'est une belle occasion soit pour écouter ce message-ci ou d'autres messages également en allant sur le web. Et puis ça, évidemment, ça pourra continuer. C'est une des bénédictions, disons, c'est un effet collatéral positif qu'il va y avoir de ce triste événement-là de la COVID avec lequel on lutte encore un peu. Donc aujourd'hui, j'aimerais poursuivre sur la lancée du message précédent que j'ai fait il y a quelques semaines. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits. Ça s'intitulait « Chrétiens versus ou face au gouvernement ». Et donc, ça a été même commenté ailleurs à l'extérieur et puis beaucoup ont apprécié cet enseignement-là. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas entendu, d'aller l'écouter,
d'aller sur le site web et puis d'aller réécouter cette étude que j'ai apportée sur ce que Jésus, dans le fond, veut qu'on fasse par rapport au gouvernement, mais également, il y avait tout un aspect sur comment ça réagissait, d'ailleurs, déjà au temps de Jésus, comment dans le peuple de Dieu, on tentait de réagir face à toutes les exigences, les contraintes, les épreuves qu'ils subissaient par rapport à leur gouvernement à l'époque. C'est très instructif sur ce qu'on doit faire nous-mêmes aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, j'aimerais faire une suite à ce qu'on a vu à ce moment-là parce que aujourd'hui, j'aimerais aller moins dans un sens collectif, si on veut, par rapport à mon premier message. C'était plus en tant que groupe et puis que, bon, on réagit selon tel et tel genre de pensée, si on veut. J'aimerais aujourd'hui qu'on se penche plus sur des réactions personnelles, intimes, intérieures. Comment on réagit face à l'épreuve et au malheur? Évidemment, comme par exemple celui de la COVID. Et puis, pourquoi j'en viens à ça? Eh bien, vous voyez ici, il y a une statistique qui nous dit, c'est suite à une étude d'étudiants de l'Université de Sherbrooke qui ont colligé des données, ont fait des sondages et puis ils ont trouvé qu'au niveau du Canada, dans les dernières semaines, là, dans les derniers mois, il y a un Canadien sur 10 qui croit que la situation qu'on vit depuis, disons plus intensément, le mois de mars 2020, si on veut, que cette situation-là est le résultat d'un complot. Un complot gouvernemental ou que sinon le virus a été fait en laboratoire ou en tout cas différentes formes de choses comme ça ou en tout cas que c'est dans le but de nous vacciner, etc., etc. Ce qui est étonnant, vous le voyez ici en caractère gras, c'est qu'au Québec, au lieu d'un sur 10, c'est un sur 4. Alors, vous voyez encore une fois, le Québec, les Canadiens français se distinguent dans leur opinion, mais là-dessus, ce que ça nous démontre, c'est qu'il y a beaucoup plus de division au Québec par rapport à la perception qu'on a de ce qui se vit présentement vis-à-vis de la COVID. Et ce que ça nous dit, c'est que dans le fond, au niveau de la communauté, il y a plus de division. Probablement, mais évidemment, dans les églises aussi, il y a une fraction plus grande de chrétiens qui considère que ce qui se produit présentement n'est pas le fruit d'un hasard, d'une mauvaise gestion sanitaire ou quoi que ce soit, je parle par rapport au virus, mais que c'est bel et bien tout ça un complot. Alors quand on parle d'un Québécois sur quatre, c'est beaucoup, c'est 25%. Comment est-ce que ça se fait que les Québécois, un si grand nombre de Québécois, croient au complot? Et puis, quand on a d'ailleurs des discussions, moi j'ai des discussions, comme vous en avez sûrement, avec des frères et sœurs, moi, une des choses que je vois, c'est que, par exemple, ceux qui croient au complot ont une grande source d'informations par rapport au web, par rapport à des choses qu'ils lisent, etc. Et puis, c'est ça, dans un premier temps, que j'aimerais partager avec vous, démystifier tout cet aspect-là au niveau de ce qu'on appelle, dans le fond, la guerre de l'information, hein, la guerre de l'information. Il y a un groupement mondial qui s'appelle, en fait, il y a un rapport annuel qui est fourni à chaque année, à chaque début d'année, qui s'intitule le rapport annuel mondial des systèmes économiques et stratégiques, qui en 2018 considérait que le monde présentement fait face à une nouvelle guerre, qui n'est pas une guerre par les armes, mais qui est une guerre par les médias. C'est une guerre par le web, c'est une guerre, dans le fond, par tous les réseaux d'information. Et il y a vraiment des clivages, des divisions, des séparations qui se font dans les groupes d'internautes, donc de tous ceux qui vont puiser de l'information, tant au niveau du web lui-même, c'est-à-dire YouTube, Google, etc., qu'au niveau également télévisuel, par exemple, ou ce qu'on peut aller voir donc dans les grandes chaînes, que ce soit Radio-Canada, RDI, ou ce qu'on va aller chercher, comme je vous disais, sur des sources via le web, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont distribuées à travers le monde à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, etc. Et là, ce qu'on réalise de plus en plus, pourquoi on appelle ça une guerre de l'information, c'est que il y a des divisions, il y a des groupements qui se font via le web, c'est-à-dire des tendances, si on veut, qui font en sorte que certains sites Internet, certains YouTube, certaines émissions, certaines chaînes vont prendre une philosophie, une façon de penser, tandis que d'autres vont faire le contraire. Il y a évidemment des choses médianes. Et ce qui complique un peu toute cette guerre-là, dans le fond, c'est un nouveau système qui a été implanté qui s'appelle les algorithmes.
Il y a des systèmes d'algorithmes qui travaillent de façon secrète. Évidemment, on ne voit pas ça à l'écran, mais c'est des systèmes qui sont greffés, par exemple, à votre écoute de Facebook, ce que vous regardez sur Facebook, sur YouTube, ce que vous regardez via le web, des émissions, etc. Il y a des systèmes informatisés qui sont greffés à chaque personne qui écoute via son cellulaire, via son ordinateur ou quoi que ce soit, qui va calculer ce que vous avez ouvert ou combien de temps vous avez passé sur telle page, sur tel fil d'actualité. Et ça, pourquoi est-ce que c'est calculé, c'est compilé? C'est compilé par ce système informatique-là afin de voir, dans le fond, quel est votre intérêt, quels sont vos intérêts, qu'est-ce qui vous intéresse. Pourquoi voir qu'est-ce qui vous intéresse? Parce qu'ultimement, on veut vous proposer des choses pour vous les vendre. Dans le fond, derrière ça, c'est souvent l'argent, n'est-ce pas? On essaie par la force de besoin du monde commercial, du monde économique, d'essayer de scruter ce que vous regardez et ce que vous écoutez. Et ces algorithmes-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vous alimenter dans ce que vous semblez vous aimer ou écouter plus particulièrement. Bon, si ça, ça sert la cause commerciale, dans le fond, c'est de vous offrir par la suite des petites annonces. Vous allez noter ça, par exemple, si vous faites une recherche sur un objet que vous aimeriez acheter, vous allez vous rendre compte dans les jours suivants qu'il va y avoir des offres qui vont vous être faites par des publicités, des bandes publicitaires, exactement sur des souliers que vous avez regardés ou le site même de vacances, de voyages que vous avez consulté. C'est ça, les algorithmes. Alors, on est surveillé sans s'en rendre compte, mais le côté un peu traître de ça, c'est qu'au niveau, par exemple, de nos consultations sur des informations, par exemple, vous voulez vous informer sur la COVID, justement, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Si vous avez consulté un site Internet, vous avez regardé une vidéo sur YouTube qui semble être une vidéo qui est plus du style à détecter un complot par rapport à la COVID, les algorithmes, ce qu'ils vont faire, c'est que dans vos recherches subséquentes par la suite sur Google, eh bien, les algorithmes vont avoir tendance à vous donner d'autres sites Internet, d'autres études qui vont aller dans ce sens-là. Si bien que dans le fond, comme je l'écris ici, on va vous donner ce que vous voulez voir. Tu vas voir dans le fond ce que tu as cherché à voir précédemment. Et qu'est-ce que ça crée malheureusement? C'est des divisions, c'est des séparations. C'est-à-dire que il y a des chrétiens qui, allant consulter l'Internet, disent « je vais faire mes recherches par moi-même, j'écouterai pas, je ne croirai pas ce que les grandes chaînes me disent, que ce soit Radio-Canada, RDI, TVA, etc. » Pour x, y raison, on dit « ben eux, ils ont des convictions aussi. » Effectivement, ils ont des convictions, ils ont des lignes éditoriales. Peut-être, oui, effectivement. Là, on dit « ben je vais aller faire mes recherches à moi, fais tes recherches à toi. » Puis on a l'impression, en disant ça, en faisant ça, qu'on va aller effectivement avoir un accès, qu'on va avoir un accès à toutes les formes d'information, qu'elles soient d'un extrême à l'autre ou dans le milieu. Or, ce que je suis en train malheureusement de vous dire, j'espère que vous me croyez, c'est pas moi qui invente ça, c'est que les systèmes algorithmes font en sorte que dès le départ, les premières sources d'information que vous allez consulter selon votre tendance, selon votre croyance, vos a priori, parce que peut-être par a priori, vous dites, j'aimerais ça vous voir vraiment d'où ça vient cette COVID-là, puis vous allez voir, est-ce qu'il n'y a pas il y a quelque chose qu'on nous cache, puis vous cherchez à ce niveau-là, possibilité de COVID en laboratoire. Et là, évidemment, Google va vous donner des réponses par rapport à ça, et par la suite, dans les jours suivants, ils vont vous alimenter tout le temps dans vos recherches. Si bien que vous allez renforcer votre conviction, puis vous n'aurez pas accès à des ressources, à des études, à des sondages qui sont inverses. C'est aussi fou que ça. Et vraiment, c'est triste parce que ça fait en sorte un peu comme dit le philosophe Éric Emmanuel Schmitt, si vous le connaissez, c'est un grand homme très intéressant, ce monsieur, qui pense aussi beaucoup sur la religion et la foi. Et voici ce qu'il dit, vous ne pouvez pas le lire peut-être parce que c'est trop loin pour vous, mais je le lis pour vous. Qu'est-ce que la vérité? C'est par rapport à Dieu, par rapport à la COVID aussi. Alors, il dit, il y a la tienne, il y a la mienne, il y a celle de tous les autres. Toute vérité n'est que la vérité de celui qui l'a dit. Il y a autant de vérité que d'individus. Alors, si monsieur philosophe Éric Emmanuel Schmitt le dit par rapport à des recherches existentielles ou religieuses, que chacun a sa vérité, on peut le dire maintenant presque universellement, même à travers les sources d'informations qu'on essaie de consulter sur le web,
malheureusement, à cause des systèmes algorithmes, à cause que chacun finit par avoir, dans le fond, son réseau de recherche, à cause de ça, chacun finalement finit par bâtir un système de vérité qui est la sienne. Et puis cette personne-là va dire « Oui, mais c'est basé sur des faits, c'est basé sur des études. » Puis toutes les études disent ceci. Puis là, vous allez voir d'autres mondes au bord, vont dire « Qu'est-ce que c'est ça, ces études-là? J'ai pas vu ça. J'ai fait mes recherches, j'ai pas eu ça, etc. » Et puis, je vous dis, je vous parle de connaissances. Moi, je me suis rendu compte au fil des derniers mois, dans mes discussions avec des personnes qui étaient pour, contre, ou quoi que ce soit, en regard de la COVID et du complot, je me suis rendu compte que, malgré mes recherches de mon côté que je faisais, je découvrais toutes sortes de sites et puis de preuves scientifiques, médicales, etc. pour conforter, c'est-à-dire affirmer mes convictions. De la même façon, des personnes de l'autre côté me sortaient des sites, des études, des sondages que malgré mes recherches, j'avais pas pu accéder. Pourquoi? Parce que ça vient d'un point de vue que moi, j'ai pas exploré au début. En tout cas, vraiment pas suffisamment, si bien que les algorithmes, les systèmes de calcul, Internet, qui fonctionne derrière l'Internet, fait en sorte, dans le fond, de me donner du matériel qui est selon mes premières sources, mes premières convictions. En tout cas, j'espère que c'est pas trop compliqué, mais juste comprendre au bout du compte quoi. C'est que malheureusement, la vérité dans la vie sociale, dans la vie communautaire, c'est très difficile de trouver la vérité dans ce que la société va nous proposer, peu importe. Et puis maintenant, si je ramène ça à la vie chrétienne, parce que c'est ça dans un premier temps que je voulais faire avec vous, maintenant, ce matin, dans ce message, c'est de comprendre que si on veut chercher la vérité sur ce qu'on est en train de vivre, peut-être qu'il ne faut pas la chercher à cet endroit-là là, que je vous décris depuis le début de mon message. Et puis, j'en reviendrai finalement à ce que Ponce Pilate, si vous connaissez évidemment Ponce Pilate, si vous êtes chrétien, vous lisez la Bible, vous connaissez Jésus, vous savez que Ponce Pilate, c'est le gouverneur romain, un homme intelligent quand même, mais très cruel, très droit, très froid, très cru. Lui, lorsqu'on lui a présenté Jésus, avec la pile d'accusations que les prêtres, que les juifs prétendaient que Jésus avait, qui était un ennemi de l'État romain, etc., qui faisait, dans le fond, il fomentait la révolution en Israël. Lui, en fait, le gouverneur, lorsqu'il était devant Jésus, il voulait juste une chose, savoir la vérité. Et il lui a demandé, hein, la vérité, c'est quoi? Hein, tu te fais accuser là, par ces prêtres-là, etc. Ils disent que tu es un roi. Donc, si tu es un roi, tu es comme en opposition à Hérode, peut-être à César. La vérité, c'est quoi? Et Jésus va lui répondre quelque chose d'assez fascinant. Dans Jean, chapitre 18, on voit, et c'est le seul endroit dans les évangiles où on trouve ce témoignage-là que Jean nous a rapporté. Jésus a répondu à la question de Pilate. La vérité, c'est quoi? Il a dit, « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Je répète, Jésus dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Alors, à la question « Quoi? » Jésus répond « Qui? » À la question « Quoi? C'est quoi la vérité? Qu'est-ce que la vérité? » Jésus répond, la vérité c'est quelqu'un, la vérité c'est moi, la vérité c'est celui que je suis venu révéler, Dieu. Alors c'est pour ça que Jésus dira d'ailleurs aussi dans Jean chapitre 14, il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. À nos questions sur la vie, à nos questions sur les débats, à nos interrogations sur les épreuves, les malheurs que nous pouvons subir. Souvent, effectivement, on cherche le pourquoi des choses. On se pose la question, pourquoi ça arrive, comment ça se fait, d'où ça vient cette affaire-là. Et Jésus, c'est fascinant, Jésus veut pas répondre à cette question-là, pas parce qu'il est pas gentil, mais parce qu'elle n'est pas prioritaire. La chose la plus prioritaire, c'est de savoir à quel Dieu on a affaire dans cette situation-là. Et si vous me permettez, donc, j'aimerais faire un glissement. Vous savez, donc, on cherche à voir, via les informations des grands réseaux ou des petits réseaux web, on cherche à voir qu'est-ce qui est vrai. On cherche la vérité à travers toutes ces sommes phénoménales d'informations qui nous sont données par la télévision, par le web, etc., par du monde, etc. Vous savez, la question Jésus la plus fondamentale nous dit que Dieu, lui, il est qui dans tout ça? Parce que c'est toujours autour de Dieu,
C'est toujours autour de Dieu qu'on va trouver en tant que chrétien la réponse et l'attitude fondamentale. Parce que chercher des réponses à des quoi, à des pourquoi, ça finit par nous faire paniquer d'abord et avant tout. Et je dis pas que c'est mauvais de faire ça, je dis que c'est pas prioritaire. Jésus nous dit que la chose la plus importante, c'est de savoir qui il est, lui, dans toutes ces situations, et qui est Dieu dans toutes ces épreuves. Et voilà, c'est pour ça que je voudrais donc, dans un deuxième temps, passer à ce combat qui est celui du chrétien. Quand on vit des épreuves comme celle de la COVID, il y en a qui ont perdu des proches, il y en a qui ont perdu de la santé, il y en a qui vivent des situations économiques difficiles. Tout le monde a été éprouvé. Les chrétiens n'ont pas été épargnés. Et évidemment, on pose beaucoup de questions à Dieu. Et on ne sait pas d'ailleurs, est-ce qu'on peut trouver en Dieu une réponse? On va avoir tendance des fois à dire, ben Dieu, il est occupé à autre chose. Dieu, il est trop transcendant. Dieu, il est tellement puissant. Qui suis-je, moi? Comment Dieu pourrait-il s'intéresser à moi? Je comprends qu'on puisse dire ce genre de choses-là, sauf que le nom de base de Dieu, vous voyez, quand on répond à la question du qui est Dieu? Dieu dit à Moïse, lorsqu'il se révèle à lui dans le feu ardent, dans le buisson ardent, Dieu dit « Je suis celui qui est ». C'est-à-dire, je suis le présent par excellence. Je suis présent, toujours actuel. Alors, penser que Dieu est trop occupé à autre chose pour s'intéresser à notre misère et à nos problèmes, c'est fondamentalement à côté de la plaque pour un chrétien, pour quelqu'un qui devrait connaître Dieu, parce que la première chose que Dieu est, c'est d'être présent. Dieu est présent. Vous voyez pourquoi c'est fondamental de comprendre qui est Dieu dans nos malheurs et nos épreuves. Dieu est présent. Une autre question, hein, on va dire, Dieu nous punit certainement. On a une tendance, effectivement, même quand on lit la Bible, à voir que, évidemment, action-réaction, hein, qu'on subit les conséquences de nos fautes, de nos malversations, de nos péchés. Hein. Quand on dit on manque la cible et puis voilà pourquoi on a des conséquences. Mais on a tendance à penser que des choses comme celle-là, la COVID, la perte d'un emploi, une maladie qui nous frappe, on peut avoir tendance même que Dieu pourrait être derrière cela. Quand c'est tout faux, parce que Dieu est lumière. Il ne vient pas à l'idée de Dieu de faire le mal. Dieu n'est pas à la source du mal. Maintenant, oui, il arrive des malheurs, il arrive des difficultés et ce qu'on doit se dire, c'est que Dieu, dans son amour, parce que Dieu est amour, l'amour implique la liberté. Et Dieu laisse à l'humain de faire des négligences. Personnellement, c'est mon opinion, je pense que la COVID, c'est-à-dire cette infection-là qui s'est répandue, est à la base d'une négligence. Une négligence au niveau de la salubrité. En Chine, ça peut venir ailleurs. De toute façon, les Européens, ou en tout cas nous les Blancs, là, d'Europe, historiquement, il y a eu des pestes épouvantables qui ont été déclenchées, des maladies qui ont tué beaucoup de personnes. Les Blancs même qui sont en Amérique, parlons ici de l'Amérique, ont amené tellement de maladies que les Amérindiens qui n'avaient pas les anticorps sont tous morts. Est-ce qu'ils étaient punis par Dieu? Ben non, c'était une question de la vie, des microbes, etc. Et puis, bon, comprenez que dans le fond, la vie amène une foule d'effets, de conséquences dont Dieu n'est pas la source. Alors, faut pas toujours penser que Dieu nous punit. À la base, pensons donc que Dieu n'a pas de plaisir à faire le mal. Dieu n'aurait aucun plaisir à le faire, puis à voir le mal se perpétuer. Donc, ça aussi, c'est important. C'est une réponse par rapport au qui est Dieu dans ce que je vis. Est-ce que c'est Satan qui nous attaque? Il y en a qui pensent, ben Satan, oh, c'est Satan, il est là, il m'aime pas, puis il nous attaque, etc. Moi, je vous dirais, faut faire attention de prêter à Satan une puissance qui n'est pas la sienne. Et d'oublier une chose, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je répète, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça, l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, à la fin du chapitre, à des chrétiens qui sont persécutés à Rome, dont l'empereur est complètement fou, il peut faire brûler des gens, les faire manger par des lions. Les chrétiens ont toutes sortes de raisons d'avoir peur et de penser que Satan est sur leur cas. Et pourtant, Paul va leur dire, nous sommes plus que vainqueurs, rien va nous séparer de l'amour de Dieu. Et voyez, la réponse de Paul n'est pas pourquoi, mais qui
Qui est Dieu? Dieu est celui qui m'aime. Dieu est celui qui reste à mon côté. Dieu est celui qui est toujours en ma faveur. Donc, il faut arrêter de mettre l'accent sur « il y en a un qui est sur mon cas » et de penser que Dieu nous préserve du malin. Dieu nous préserve du malin parce qu'il veut le faire. Donc, faut pas accentuer sur ces éléments-là. Quand peut-être, oui, on se sent persécuté et attaqué par la force du mal, on a toute la puissance de répliquer. Donc, au lieu de se mettre la tête dans les mains et de dire « ça y est, je suis une victime, je suis attaqué, etc. », relevons-nous. Puis comme dit Paul dans Éphésiens 6, prenons les armes, prenons le bouclier de la foi, puis croyons que nous sommes protégés, car nous sommes en position de force. Donc, vous voyez comment l'importance est de comprendre qui est Dieu dans l'épreuve. Et une dernière, c'est pas la seule, mais c'est une dernière que j'aimerais discuter, la fin est proche. La fin est proche et voilà pourquoi on a ces épreuves, voilà pourquoi on aurait ce virus, voilà pourquoi peut-être le virus mènerait à un contrôle mondial éventuel via un vaccin, via les lois qui sont restreintes, via etc., etc., etc. Hein? Je vois pas tout répéter là, ce qui se dit depuis des mois par rapport à cet événement-là, qui somme toute, historiquement, par rapport à la grippe espagnole ou à d'autres choses, quand même, c'est relatif. Il y en a eu d'autres épreuves, il y a eu des guerres mondiales, il y a eu des dizaines de millions de personnes. Quand même, on n'en est pas à la première épreuve, et épreuve grave, tellement plus grave même que celle-là. Je ne veux pas minimiser notre misère, mais je vous dis, il faut être relatif, puis il faut éviter d'arriver trop vite avec des pourquoi. Pourquoi ça se passe? Ah, ça se passe parce que la fin est proche. Mes frères, mes sœurs, je vous dirais, il faut se garder une petite gêne là-dessus. Là. Faut se garder une petite gêne. Vous savez, un jour, Jésus enseignait sur la fin des temps. Et on trouve ce texte-là dans Matthieu 24, il parle des signes de la fin des temps. Il y a l'évangéliste Luc aussi, qui reprend le même enseignement dans Luc chapitre 12, où Jésus, donc, va reprendre ses enseignements-là, etc. Et là, immédiatement après les enseignements, il se fait poser une question. Si vous permettez, je vais aller lire le texte dans Luc au chapitre 13, parce qu'au chapitre 12, Jésus parle des signes de la fin des temps. Et la fin du chapitre 12 suit par cette demande qui est faite à Jésus immédiatement après. Et ça ouvre le chapitre 13, je lis. À ce moment-là, donc au moment où Jésus parlait de la fin des temps qui surviendrait et des épreuves, quelques personnes qui se trouvaient là à l'écouter racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, hein, des Juifs, des Galiléens, dont Pilate, le fameux gouverneur Pilate, je vous l'avais dit qu'il était cruel, dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Hein, pourquoi? » Jésus dit, « Non, moi je vous le dis. Vous savez, si vous ne changez pas d'attitude, ça c'est dans la seconde 21, littéralement c'est métanoïa, c'est changement de pensée. Méta, après, et noia. Noia, c'est la pensée, l'esprit. Pense-y deux fois avant de faire ça. Change ta manière de voir les choses. Que ton esprit envisage les choses différemment. C'est ça, métanoïa. Que tu changes radicalement de façon de penser. Changer d'attitude, ici, dans la version, et vous allez périr de toute façon. C'est un peu ça. C'est comme si Jésus dit, vous savez, arrêtez de penser tout croche. Arrêtez de penser tout croche et pensez comme Dieu veut que vous pensiez. Et vous savez, de toute façon, un jour, vous allez le rencontrer, vous êtes aussi bien d'être prêt. Il est spécial, Jésus, vous voyez? Les autres, ils demandent, écoute, il est arrivé un drame, justement, Jésus, c'est-tu la fin? Il y a des Galiléens qui étaient là en train d'offrir un sacrifice à Dieu, puis Pilate avait envoyé des soldats romains. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas le contexte, là. Et puis ces gens-là sont morts en offrant un sacrifice à Dieu, puis, tu sais, dans le fond, c'est des victimes, c'est des persécutés. Tu parles, Jésus, que la fin des temps va amener de la persécution. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un signe? Imagine, c'est épouvantable. Ils offraient un sacrifice au temple, puis mourir, puis leur sang mélangé au sacrifice, c'est épouvantable. C'est une persécution. Ponce Pilate, c'est probablement un antéchrist, etc. Tout ce qui peut se passer dans la tête. Donc, vous voyez, ils demandent à Jésus, « Hein, c'est ça? Ça? Penses-tu que c'est ça? » Puis Jésus leur dit, « S'il vous plaît, changez de pourquoi, puis de quand, etc. » Jésus dit, « Changez complètement. » Vous savez, vous allez périr pareil comme eux. Et l'important, c'est, comme disait un prophète de l'Ancien Testament, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Connais-le. Connais Dieu. C'est ça qui est important. Donc, au lieu d'accentuer sur pourquoi c'est arrivé, est-ce que ça arrive parce que c'est la fin des temps, c'est pas sur le quoi, c'est sur le qui.
Qui est mon Dieu maintenant à cet instant? Qui est mon Dieu dans ce que je suis en train de vivre? Il est là, il est présent, etc. Donc, vous voyez, c'est tellement important. Jésus, et je termine là-dessus, Jésus est venu nous révéler le Dieu véritable. Et je veux terminer avec ce texte magnifique, toujours de Jean. J'ai parlé beaucoup de l'évangéliste Jean, parce que Jean, il est un révélateur de l'intimité de Jésus, si vous êtes un habitué des lectures de Jean. Et Jean conclut sa lettre, sa première lettre, son épître qu'on appelle, par ces paroles-ci que je vous lis. « Celui qui est né de Dieu se garde de lui-même, et le mauvais ne le touche pas. » Déjà là, c'est instructif. « Celui qui est né de Dieu se garde de lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du mal. » Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et il termine tout de suite après avoir parlé du vrai Dieu que nous pouvons et que nous devons connaître en Jésus. Il termine par ce dernier verset. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et ça, il ne le dit pas à des non-croyants, là. Il est en train de dire à ceux-là auxquels il vient justement de rappeler que nous avons par Jésus la connaissance du vrai Dieu. Et que ça devient, dans le fond, ça doit toujours devenir notre recherche essentielle. Au lieu de chercher le quoi, du pourquoi, du comment et du quand, ce qui n'est pas nécessairement à négliger totalement, essentiellement, prioritairement, face aux malheurs que nous subissons, face aux épreuves que nous vivons, essentiellement, nous devons connaître Dieu. Cherchons à connaître le Seigneur tel qu'il est, dans ce que nous vivons. Nous vivons toutes sortes de malheurs, des grands, des petits, on a des frustrations, on est frustré des fois, ça vient fort, ça nous fâche, ça nous gruge. Et on est pris, on s'enfonce avec toutes ces émotions-là. Et on veut savoir, hein, comme Ponce Pilate, qui est pressé par les prêtres juifs, pressé de déclarer la crucifixion. Puis il aime pas ça, cet homme-là, être pressé, hein, Ponce Pilate. Et il dit, un instant, c'est quoi la vérité dans tout ça, hein? C'est quoi la vérité? Puis Jésus dit, la vérité, c'est moi. La vérité, c'est quelqu'un. C'est moi qui révèle Dieu le Père. Mes frères, mes sœurs qui m'écoutez présentement, je vous encourage dans la situation qu'on vit depuis quelques mois, qui s'est amoindrie dans les dernières semaines et qui permettra qu'on se rassemble dimanche prochain, le 30 août, mais ça va se poursuivre, on le sait, il y a encore des risques. Je vous encourage à concentrer vos réflexions sur la personne de Dieu. Et je m'engage, moi, personnellement, il y a quelques mois, j'ai fait une étude, justement, sur Dieu, à partir du texte où Dieu se révèle. Dieu s'annonce personnellement à Moïse, pas dans le buisson ardent, mais un peu plus tard, quand Moïse vit des épreuves au désert avec le peuple, il dit à Dieu, « Je continuerai pas si tu me révèles pas ta gloire. Si tu ne montres pas qui tu es, Dieu, je serai pas capable d'avancer. » Et il avait tellement raison. Que Dieu a dit oui. Dieu a dit oui, je vais me révéler à toi. Je vais te placer un endroit et je vais proclamer mon nom, que tu connaîtras qui je suis. Et ce texte-là se trouve dans Exode, chapitre 34, versets 5 et 7. Et j'ai préparé toute une étude là-dessus sur la nature que Dieu va révéler sur lui. C'est rare les textes où on le trouve concentré, là, dans cette capsule-là de ces deux versets-là, et c'est extraordinaire. On comprend la nature de Dieu, on comprend comment il agit, puis que Dieu réagit. Et quand on médite ces passages-là, on est rassuré. Pas sur le fait qu'on n'aura pas de difficultés, on est rassuré sur la manière dont Dieu gère l'univers, gère la vie, gère le monde, et gère mon existence, gère mes événements. Puis à ce moment-là, nous évitons de sombrer dans des pourquoi, des comment, des quand, des quoi qui sont secondaires.
ou qui détruisent notre foi. Alors, je vous encourage, mes frères, mes sœurs, déjà maintenant, à peut-être aller méditer, tiens, ces textes-là, ces versets-là, Exode 34, versets 5 à 7, mais toujours à vous poser la question, toujours en revenir quand on vit des épreuves, dire, Dieu, je sais que tu es là. C'est la base de ton nom, Yahweh, celui qui est. Tu es présent. Seigneur, montre-moi comment tu es maintenant avec moi. Tu es avec moi. Révèle-moi ta nature. Révèle-moi ta bonté. Révèle-moi ta grâce et ta clémence. Reste avec moi, Seigneur, car tu es mon assurance. Amen. C'est ma prière pour vous et moi. Je vous bénis au nom du Seigneur et au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir.